Un peu précisé, okay. Le marché de Matadikibala ne gère pas le dépôt de produits agricoles et vivrières. Okay. Mais au niveau de Matadikibala, il y en a actuellement 24 dépôts de produits agricoles et vivrières, ainsi que le marché de Matadikibala. Mais le marché Matadikibala, à l'intérieur, il y a plus ou moins 700 vendeurs et à l'extérieur, il y en a plus ou moins 600. Plus ou moins. À l'intérieur aussi, il y en a plus ou moins 700. Parce que spécificité du marché Matadikibala, 80% des vendeurs vendent des produits agricoles, agricoles et vivrières. Il y a 20% seulement qui vendent d'autres variétés de produits. Nous voyons que le grand marché Matadikibala, c'est le premier marché dont le vendeur et le commerçant des Congo Central et Tseba Congo viennent souvent pour déposer leurs dépôts. Nous voyons, il y a combien de parkings ici dans votre marché? Le parking, c'est ce que nous appelons ici des dépôts. Okay. Il y en a 24. Mais la spécificité dans tous ces dépôts ou parkings, il y a d'autres parkings qui reçoivent de produits vivrières et agricoles en provenance du Bas-Congo, hein, différents villages du Bas-Congo. Et il y en a aussi quelques dépôts aussi qui reçoivent aussi quelques produits en provenance du Grand Bandundu. Parce qu'ici, il y a des produits du Grand Bandundu aussi qui arrivent ici, à Matadikibala. Quand nous voyons le marché Matadikibala, nous voyons directement la personne qui gère le marché. Comment gérez-vous en même temps le dépôt, en même temps le parking, en même temps le marchand et le vendeur? C'est-à-dire dans chaque parking ou dépôt, il y a un gérant. L'administrateur ne gère pas tous ces dépôts-là ou ces parkings. Moi, je gère que le marché. Disons, je gère que les vendeurs, les petits vendeurs, pas les commerçants. Donc, les petits vendeurs qui vendent dans le dépôt, c'est l'administration du marché qui les gère. Mais tandis que le propriétaire des dépôts ou les gérants des dépôts gèrent les commerçants en provenance du Bas-Congo ou en provenance du Bandundu. Ils gèrent ces commerçants-là. Oui. Aussi, dans les dépôts ou dans les parkings, il y a le service d'agriculture de la ville province de Kinshasa qui perçoivent ce qu'on appelle les frais sur les produits agricoles. Maintenant, c'est l'administrateur du marché, je perçois que le taxe d'étalage sur les petits commerçants ou les détaillants qui étalent leurs produits dans les dépôts. Nous voyons au tronçon du grand macadam à route de Matadi, il y a des vendeurs qui vont dans des macadam, auprès des caniveaux. Est-ce que votre grand marché compte aussi des bonnes tables pour autant aider le vendeur de vendre leurs marchandises en bonne et due forme? C'est pour cette raison que nous appuyons les gouvernements centraux et les gouvernements provinciaux par l'entremise de son Excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jacqueline Ngobilambaka, pour la construction d'un marché moderne ici à Matadikibala. Donc, la construction de ce marché, ça reste seulement question de quelques mois, parce que nous sommes maintenant à l'étape de la pose de première pierre qui interviendra d'ici peu. Alors, dès qu'on va construire les marchés, le long de la route de Matadi, il n'y aura plus de vendeurs. Parce que s'ils sont dehors, il y a d'autres, c'est par manque de versatilité adéquate au sein du marché.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici dans votre marché? Les difficultés que nous rencontrons ici, premièrement, c'est parce que il n'y a pas de comme tantôt je venais de dire là, il n'y a pas des infrastructures qui peuvent accueillir suffisamment de gens. Alors, ça c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des syndicats où il y a quelques syndicats déjà qui ne sont pas formés pour exercer les fonctions de syndicats au sein des marchés. Vous voulez que ce soit un syndicat qui participe pour une bonne organisation au sein du marché, ça devient un syndicat politique qui fait que désorienter les vendeurs en donnant des fausses infos, hein, en donnant des fausses alertes auprès des autorités pour que le marché soit ingouvernable. Comme quelle information? Bon, par exemple, tel que là, il y a un projet pour la construction du marché, mais le syndicat lui parle de la vente du marché, que le marché est vendu, alors que ce n'est pas le cas. On déplace quelques vendeurs pour mettre une organisation pour l'implantation, disons pour la pose de première pierre que le gouverneur de la ville va venir procéder au marché Matadikibala. Il y a ce syndicat qui propage des faux bruits en disant qu'on a cassé 32 tables et on a chassé 32 vendeurs au marché Matadikibala, alors que ce n'est pas le cas. Ce sont des difficultés que nous en avons ici au marché Matadikibala. Nous voyons que le grand marché Matadikibala a, aux premières fois, c'était deux marchés séparés. Mais après, ça devient un seul marché. Nous voyons l'un de l'autre côté ici là-bas et l'autre ici. Alors, comment gérez-vous les deux marchés à la fois? Et quand on va construire un beau marché, vous aimeriez que ça puisse être ensemble dans une même place ou bien ça puisse être juste séparé comme était auparavant? Non, non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux marchés. Il n'y a qu'un seul marché, le marché de Matadikibala. Mais même si vous arrivez au niveau du marché central, il y a aussi des annexes. Hein? Vous voyez, il y a Wakading, il y a Kato, non pas Kato, il y a Avenue du Commerce. Hein? Parce que le marché Kato, maintenant c'est notre marché. Mais avant le marché Kato fut, disons, on appelait ça le... que dirais-je? Disons, sont les alentours du marché. Et en Lingala, on appelle ça l'Otula. Dans tous les marchés, il y en a. Même si vous arrivez au niveau du marché Gambela, il y a aussi des rues environnantes. Oui. C'est pareil au niveau du marché Matadikibala. Il y a des annexes. Telles que vous voyez de l'autre côté, sont des annexes. Mais la spécificité, c'est que de l'autre côté, ce sont des grossistes. Des grossistes qui vendent des tomates en gros, qui vendent des aubergines en gros, qui vendent plusieurs sortes de marchandises, des piments. Et le vendeur de d'autres communes, même ici à Matadikibala, traverse de l'autre côté, ils achètent et ils viennent vendre ici en détail. Vous voyez? Parce que ces détaillants-là, s'ils entrent directement ici, avec ce genre de structure que nous avons actuellement, les détaillants de l'intérieur ne seront plus vendus. C'est un peu ça. Mais nous gérons parce qu'il y a des percepteurs qui perçoivent des taxes d'étalage, hein, dans des endroits bien spécifiés, dans des dépôts ou des endroits autorisés par la hiérarchie. Mais ceux-là qui vendent sur les trottoirs, sur la route, hein, on appelle ça marché pirate. Ceux-là ne sont pas, ne sont pas contrôlés, hein, ou ne sont pas gérés par l'administration. Parce que vous savez, on dit toujours ventre enfamé n'a point d'oreille. Et à chaque fois la police vient, il les pourchasse. C'est au vie aussi de tout le monde. Mais si la police, parce que ce sont aussi des gens, s'ils se fatiguent, les mêmes personnes rentrent. C'est le même problème que nous avons partout dans la ville de Kinshasa. Mais ce phénomène prendra fin dès qu'on construit le grand marché de Matadikibala, qui va intervenir d'ici peu. Là, selon le gouvernement central.
C'est un projet, le financement, c'est le gouvernement central, le ministère de l'Agriculture, qui a bénéficié du financement, mais qui a mis à la disposition du gouvernement provincial pour la matérialisation du projet. Maintenant, parlons de service Salomo, parce que l'OCAPI vient de participer au service Salomo, qui Bopeto, dans notre commune de Mongafla, facilement marché, Matekibala. Nous avons vu comment est-ce que l'AG de ce marché s'est promené au forum pour faire en sorte d'exciter le vendeur, les vendeuses, en plus que plus à l'art salon, il a qu'il peut avec un parc et il le rocher. Maintenant, comment jugez-vous l'opération Kinshasa Bopeto ici dans votre marché? Bon, disons que l'opération Kinshasa Bopeto ici à Matadikibal est effective. Nous impliquons à 1000% pour réussir le projet de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur le plus compétent actuellement au Congo, hein, parce qu'il y a des actions qu'il mène. À un certain moment, c'est mal interprété par les gens, mais ce sont des actions qui doivent normalement être applaudies et encouragées. Parce que l'opération Kinshasa Bopeto, comme je viens tantôt là de le dire, c'est un état d'esprit. Et à Matadikibala, c'est une réalité. Mais il y a quelques difficultés que nous en avons encore et que je pense que d'ici là, seront surmontées. Parce que j'ai vu, par exemple, le gouverneur de la ville de Kinshasa, on nous a amené des sacs poubelles que voici. Nous sommes maintenant à l'étape des sacs poubelles que voici. Hein? Il y a aussi des poubelles publiques qui arrivent, mais malheureusement ici à Matadikibala, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver d'un moment à l'autre, si pas aujourd'hui, peut-être au courant de la semaine qui va commencer. Vous voyez, c'est que l'autorité municipale, son excellence M. Gentil Ngobila, est en train de travailler, travaille réellement pour l'intérêt des Kinois et Kinoises. Nous devons féliciter. Parce que l'état où il a trouvé la ville de Kinshasa, disons qu'il y avait des insalubrités un peu partout. Mais je ne peux pas dire que le problème est résolu à 100%. Mais ça avance. Ça avance. Parce qu'avec des sacs poubelles, avec des poubelles publiques qu'on va placer par-ci, par-là, devant les magasins, je pense que ça va résoudre beaucoup de choses. C'est une très bonne chose. Donc ici chez nous, je peux vous avouer que dans un mois ou deux mois, il y aura une amélioration. Une amélioration. Maintenant, qu'est-ce qui vous dérange pour bien travailler, pour bien faire les services qui se sont beaucoup ici dans votre marché? Bon, il n'y a rien qui me dérange. C'est-à-dire, nous travaillons avec les moyens de bord, mais nous espérons, comme tantôt je venais de vous le dire, d'ici un ou deux mois, nous serons à mesure, disons, de rendre efficacement Kinshasa Bopeto à Matadikibala, parce qu'il y a quelques difficultés, c'est du côté logistique, mais ça commence à venir et je pense que ça ira d'ici un ou deux mois. Vous avez aussi des outils appuyés par le gouvernement pour faire en sorte que des centres dans des carnivaux, il y a là où il y a des saletés et puis faire remonter ça, et des outils que le gouvernement vous a doté pour se débarrasser de tout cela. C'est ce que je viens tantôt là de vous dire. Les outils, il y en a, nous travaillons et le gouvernement provincial aussi travaille. Donc nous espérons d'ici un ou deux mois, ça ira mieux. Mais ça va déjà, mais ça ira encore plus mieux. Oui, il y a des outils parce que vous nous avez trouvé en train de travailler. Vous avez vu que nous étions en train de balayer. Nous avons suffisamment de balais. Nous avons aussi suffisamment de râteaux, hein, mais du côté peut-être quelques véhicules qui nous permettent de dégager les immondices. Mais Matadikibala a une spécificité telle que ici on ne saura pas utiliser des gros véhicules ou voire même les motos à cause des embouteillages. Mais ici nous utilisons que des couscous, des chariots, vous voyez. Et il y a un lot de commandes de chariots que nous avons passé, qui va arriver peut-être d'ici 3 semaines ou 4 semaines.
parce qu'actuellement, on en a 6, mais pour rendre efficaces nos activités ici, il nous faut au moins, en moyenne 15 chariots pour dégager les immondices, parce qu'ici, il y a une forte circulation de véhicules, et avec des gros véhicules, ça ne peut pas marcher. Donc avec le chariot, ça se pousse, ça va vite. Ça va vite. Mais pour citer un mot de la fin par rapport à tous les vendeurs et vendeuses de votre marché, en même temps avec le gouverneur de la ville, monsieur. Mais pour son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouverneur le plus compétent actuellement au niveau de la République démocratique du Congo, le gouverneur qui travaille. Donc nous lui assurons notre parfaite collaboration et nous sommes impliqués à 100% pour l'opération Kinbopeto et nous lui demandons aussi d'appuyer l'administration du marché Matadi Kibala pour que les opérations aillent plus mieux aujourd'hui. Mais pour le vendeur, nous demandons à nos mamans d'être toujours derrière la ville de Kinshasa, derrière l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, pour que l'opération Kinbopeto puisse toujours se dérouler convenablement comme avant. Qui s'implique à 100%, pourquoi pas à 1000%? Merci.